toutes et à tous. Alors là, j'ai envie, pour commencer, de vous raconter une petite fable qu'un de mes amis m'a envoyée. Elle concerne Mélenchon qui part en randonnée avec deux amis d'enfance, dont l'un est devenu rabbin et l'autre prêtre hindou. Le soir venu, complètement perdu, les trois amis se résignent à frapper à la porte d'une ferme pour demander l'hospitalité. Le paysan ouvre et leur dit « Je vais vous accueillir car nous avons une tradition d'hospitalité, mais je n'ai qu'une chambre avec deux lits, donc l'un d'entre vous devra dormir dans la grange. » Le prêtre hindou dit « Vous savez, je n'ai besoin d'aucun confort, c'est donc moi qui irai dans cette grange. » À peine installés dans la chambre, le rabbin et Mélenchon entendent frapper à la porte. Ils ouvrent et voit le prêtre hindou, l'air vraiment désolé, qui leur dit « Il y a une vache dans cette grange, et moi, vous savez, je ne peux pas dormir à côté d'un animal sacré. » Le rabbin dit alors « La vache, cela ne me dérangera pas, je vais donc, moi, dormir dans la grange maintenant. » À peine couchés, Mélenchon et le prêtre vaudou entendent à nouveau frapper à la porte. Ils ouvrent et voient le rabbin, l'air vraiment désolé, et qui leur dit « Il y a un cochon dans la grange, et je ne peux pas dormir à côté d'un animal comme ça qui n'est pas cachère et qui est interdit. » Mélenchon, énervé, dit « Bon, vous me gonflez avec vos croyances stupides, c'est donc moi qui vais aller dans la grange. » On se dit « Là, c'est bon, tout va bien. » Mais à peine le rabbin et le prêtre hindou s'endorment, qu'ils entendent frapper à la porte, très fort. Alors ils ouvrent et qu'est-ce qu'ils voient? La vache et le cochon. Voilà, c'était le sens de la blague, qui est en même temps très intéressante, qui prouve que tout est possible. Et la preuve, c'est qu'en France, un, alors qu'ils ont perdu les élections et qu'ils devaient être à 30, voire 40 députés, grâce au jeu des alliances avec le parti raciste, haineux et finalement fasciste, on peut le dire, hein, puisque l'extrême droite, je ne sais pas où elle est, mais l'extrême gauche, on la connaît, eh bien Macron a sauvé, grâce à Mélenchon, sa boutique. Et non seulement il l'a sauvé, mais ce qui est très intéressant, si on étudie bien ses résultats des législatives, il a garanti sa survie. L'Assemblée nationale ne pourra pas être gouvernée par quiconque. La gauche se déchire déjà pour savoir qui sera Premier ministre et il propose n'importe qui. On risque d'avoir une méga méchante surprise la semaine prochaine. Et quant à la droite, elle est devenue inexistante. Elle aussi s'est sauvée grâce au jeu des alliances et de l'union de la gauche. Il ne faut pas l'oublier. Hein. C'est-à-dire les traîtres, les Bertrand, les Pécresse, le gars de Cannes, Lisner et tout ça. Ils se sont sauvés en appelant à voter les uns communistes, les autres socialistes, y compris Nadine Morano, qui m'a beaucoup déçu. Je ne pensais pas qu'elle allait aller dans ce sens. Elle l'a été. Et d'ailleurs, je ne pensais pas non plus que Ciotti serait capable d'aller dans l'autre sens. Il l'a été, bravo à lui. Donc, on est dans un système aujourd'hui où, clairement, 3 électeurs sur 4 ont voté à gauche. Il faut le savoir, ça. Parce que si on calcule le nombre des députés élus, dont tout le monde s'en fiche visiblement, mais le nombre de voix, etc., on n'arrive pas loin. La gauche seule, déjà, elle fait les 60%. Si on lui rajoute le LR et les divers, là, qu'on classe toujours des divers, on n'est pas loin des 3/4. Voilà. C'est dramatique. C'est dramatique. Et franchement, aux prochaines élections, je ne sais pas comment ça peut se passer parce que je ne suis pas un devin, mais je pourrais déjà vous dire que ce sera quelqu'un issu de cette gauche qui sera élu. Alors, le jeu des LR, il est simple, c'est d'essayer de rester dans la partie pour promouvoir un candidat, mais je vous rassure parce que si c'est Wauquiez, il n'a aucune chance. Et puis comme Wauquiez, c'est un gars qui fait un pas en avant et 3 en arrière, c'est pire que le tango. Il est déjà moisi, comme on dit. Bertrand, j'en parle même pas, c'est un tocard. Donc, tous ces gens-là, ils sont disqualifiés.
il restera, à mon avis, les deux seuls prétendants possibles, et peut-être un troisième, je vais vous dire leur nom. Le premier, c'est sûr, c'est Mini Macron, bien que là, il se dispute un peu avec son patron, et hein, ça, c'est les aléas de la défaite. Donc, Gabriel Attal, il a l'avenir devant lui, comme on dit. Le deuxième qui essaye de revenir, mais on ne sait pas comment, pareil, parce qu'il n'a pas de parti, il n'a rien du tout, ce gars-là. Et puis, il a fait que des... Quand même, il faut le dire, hein, quand il a été Premier ministre, il a été catastrophique. Donc, c'est Édouard Philippe, qui ne sait même plus où il est, s'il est de gauche-gauche ou de gauche-droite. Il ne sait plus, mais il est à gauche, hein, quand même, ça, c'est sûr. Ensuite, vous aurez... Je ne sais qui, on nous parle de Glucksmann. Moi, j'y crois pas, mais bon, pourquoi pas. Ça, à peu près les trois prétendants, plus peut-être la surprise qui pourrait venir d'un Bruno Le Maire. Pourquoi Bruno Le Maire? Parce qu'il est passe-partout, parce qu'il ne fera pas d'ombre à Macron, parce que ce qu'il faudra, c'est que ce soit un candidat, n'oubliez pas, qui soit avec Macron. Parce que le but de l'opération, c'est de garder le pouvoir. Donc, pour garder le pouvoir, il faut un candidat malléable et un candidat qui ne trahira pas. Ça, c'est rare en politique, mais bon, on peut peut-être en trouver, je n'en sais rien. En tous les cas, je ne me présente pas, vu le bordel que ça va être. Surtout qu'on aura passé entre-temps 2026, où, rappelez-vous, j'ai écrit un article qui s'appelle « 2026, l'année où ?» Et d'après les résultats des élections législatives, si vous avez le temps, prenez le temps, il n'y en a pas beaucoup, il y en a plus de 70. La liste des députés, notamment de LFI, les autres, ils n'en ont pas beaucoup, les communistes et puis les écologistes. Mais regardez bien les noms, vous allez avoir une surprise de grande taille. Hein. Je ne vais rien dire parce que sinon on va dire que je suis facho, que je suis raciste, que truc, que machin. Donc regardez, ça ne va pas vous prendre longtemps. Vous tapez « Résultats élections législatives 2024 » par parti et vous cherchez et vous allez voir. Donc ce qui s'est passé là va s'amplifier en 2026. Tout le calcul de la gauche se fait là-dessus. Qu'il y aura de plus en plus d'électeurs qui ne seront pas, comme on dit, des Français de souche, et qui vont voter pour cette gauche, qui est censée être l'allié naturel de ces gens-là. Mais ces gens-là, ils n'ont pas d'alliés, hein, faut comprendre. J'ai suivi de près certaines histoires dans le monde, notamment la Syrie et autres, la Turquie et tout ça. Et je peux vous dire qu'avec les organisateurs, c'est-à-dire les frères musulmans, ils n'ont pas d'alliés chez les mécréants. Ils peuvent avoir des alliés de circonstance, c'est-à-dire accepter de discutailler, de trucs, de machin, mais ils n'ont pas d'alliés au sens propre du terme. Hein. C'est-à-dire, en clair, si tu n'es pas islamiste musulman, tu n'es pas fréquentable. Voilà, ça on peut le dire, je ne crois pas que ce soit raciste, puisque c'est une vérité qui est prouvable, qu'on peut prouver à tout moment. Donc, c'est pour ça que je vous dis ce qui s'est passé aux élections législatives, où clairement les Français ont pris peur, comme à chaque élection d'ailleurs, où clairement le Rassemblement National, qui s'appelait avant autrement, ne peut pas gagner une élection à deux tours. Hein, il peut être premier du premier tour, il peut être même premier détaché du premier tour, comme on l'avait vu au régional, il y a presque 10 ans quand même. Hein. Il a gagné les européennes assez largement aussi, et tout, mais il ne peut pas gagner au second tour. Macron le sait très bien, d'autres l'ont compris aussi, quand même. Hein. J'en avais parlé à plusieurs reprises, j'ai écrit mon dernier article là-dessus avant les élections, qui s'appelait « Le tour de passe-passe » ou « Comment Macron et la gauche ont niqué les Français ». Ça s'est vérifié à 100%. Et ça se vérifiera en 2027 à 100%. Parce que le Français, on sait lui inculquer la peur. Et la peur, c'est le plus grand des moteurs avec la haine. Donc ça tombe bien, vous avez la gauche qui a la haine, vous avez Macron qui sait mettre la peur sur le tapis, hein, il a appris de chez Mitterrand, notamment, et la droite en face, excusez-moi, elle n'a pas d'argument. Hein. Parce que ce n'est pas en battant la campagne, comme ont fait certains, je ne dirai pas de nom, je ne veux pas me fâcher, non pas que je ne veuille pas me fâcher, je m'en fous d'ailleurs, avec certains, mais ils ont juste battu la campagne avec l'argument massue de l'immigration, mais qui n'est pas un argument de vote, je suis désolé, et qui s'est retourné la preuve contre eux, parce que quand vous avez un parti comme Reconquête, qui n'a pas un député, il faut le savoir,
hein, qui n'est pas prêt d'en avoir d'ailleurs, et qui fait des scores minables, parce que moi j'estime que Marion Maréchal a fait une excellente campagne européenne. Elle a fait combien? 5,3. Donc on voit bien que c'est le logiciel qu'il faut changer, mesdames et messieurs, là-bas. Votre logiciel, il n'est pas bon. Hein, je dirais même qu'il est mauvais. Donc soit vous écoutez des gens qui peuvent vous aider, vous expliquer, sans rien attendre en retour, comment on fait une campagne électorale. Et là, j'ai noté, et je vous le livre aujourd'hui, je ne sais pas où je l'ai mis, mais je vais le retrouver, vous inquiétez pas, c'est une question de chercher. Les 10 points, hein, pour ne pas être élu, que vous, surtout la droite, utilise. Donc je l'intitule « Comment perdre à coup sûr une élection ?» Et je vais vous le livrer maintenant. 1. Ne pas écouter les gens et surtout refuser tout conseil. Ça, c'est fait largement. 2. Ne parler que de l'immigration dans un pays de bobos et de gogos, ce qui permet d'être catalogué à l'extrême droite. C'est fait aussi, c'est bon. Vouloir plaire à n'importe quel prix aux médias de gauche, ça, vous le faites tous les jours. Hein, vous avez tellement peur de ne plus passer à la télé. 4. Vouloir ne pas déplaire au pouvoir en le ménageant, ça j'ai jamais compris ce truc-là. Parce que quand la droite est au pouvoir, la gauche elle bombarde le pouvoir, elle le bombarde, c'est tous les jours, à coups de canon. Et quand la gauche est au pouvoir, la droite elle se fait toute petite dans son coin. Hein, il ne faut pas gêner, hein. Oulala, chut. 5. S'attaquer entre soi, alors ça c'est vraiment un excellent moyen pour perdre n'importe quelle élection, puisque ça évite au deuxième tour d'avoir des voix. Je dis chapeau. Bravo à tous, parce qu'il faut le faire. 6. Être finalement dans une tour d'ivoire, refuser la réalité, les vrais problèmes, ça. Alors là, vous êtes champion du monde, il n'y a pas de souci. Et le top, c'est proposer un programme, c'est 7, proposer un programme indigeste que personne ne va lire. Hein, parce que les programmes indigestes, tout le monde s'en fout, hein, faut le dire. Hein. Qui c'est qui a envie de se taper un programme de 100 ou 150 pages? Franchement, il faut être taré de faire ça, quoi. Hein? Bon, ben vous l'avez fait tous, c'est bien. Et en plus, votre programme, c'est le meilleur moyen de vous faire attaquer par les autres qui vont trouver un petit truc, machin, qui n'a aucune importance pour l'élection, mais qui va vous détruire à vous. Bon, alors, salut les gars. Et enfin, 8, vouloir à tout prix justifier, ça je l'avais déjà dit, mais vous le faites toujours, ce qui fait que vous faites toujours casser pareil. 9, ça revient un peu à ce que j'ai dit avant, ne jamais profiter des erreurs, mensonges et idioties de la gauche et du pouvoir, parce qu'ils vous servent ça comme du caviar à la louche, et vous, vous êtes là, cachons-nous, évitons de voir la vérité. C'est grave, hein, excusez-moi. Alors, et enfin, 10, dans les débats, parce que vous êtes dans les débats, se laisser enfermer dès le départ par des questions inutiles et dont le but est d'empêcher de vous faire parler, c'est-à-dire faire parler l'invité. Là, vous êtes les meilleurs. Hein. Je veux dire, vous pouvez, mesdames et messieurs, regarder n'importe quel débat où il y a une personne dite de droite ou d'extrême droite, elle se fait enfermer immédiatement dans une question complètement banale, complètement inintéressante. Déjà, il y a la moitié des téléspectateurs qui sont, je vais parler poliment, qui sont partis, et l'autre moitié qui commence à s'endormir. Et tant que vous n'aurez pas compris ces 10 points, vous ne pourrez pas être élu, et nous, on devra se taper cette merde de gauche. Voilà ce que j'ai à dire. Bon, allez, j'arrête, sinon je vais m'énerver. D'ailleurs, les 10 vérités que je viens de vous donner, je les publierai certainement. Vous pourrez les classer dans n'importe quel ordre, de 1 à 10 ou de 10 à 1, comme vous voulez. Et la deuxième, la dixième que je viens de vous donner en dernier, elle fonctionne quasiment à 100%. Allez, à ciao à tous. Et puis, quand je dis qu'on est mal, je le croyais, mais là, on est plus que mal, plus que très mal, je ne sais pas où on est, parce que vous allez voir maintenant ce que va vous faire la gauche, l'union de la gauche, avec tous les haineux, les racistes et compagnie, qui sont prêts à faire n'importe quoi, hein, et qui n'aiment pas la France, il faut le savoir. Parce que moi, je vais vous dire, si un gars de gauche, il est élu et qu'il aime la France, ça ne me gêne pas. Il n'a pas mes idées, je n'ai pas les siennes, mais il aime la France, il aime le pays. C'est bien. Mais là, le vrai problème, le super problème, c'est que ces gens-là, ils n'aiment pas la France. Voilà où est le problème. C'est pour ça qu'on est très mal et que ce n'est pas fini. Et que la descente aux enfers, elle commence maintenant. Et rappelez-vous mon article, vous pouvez aller le trouver sur mon site. L'année 2026, 2026, c'est l'année où. Et vous verrez que j'ai raison, malheureusement.
Mais c'est tellement prévisible. D'ailleurs, Macron, lui, il est super prévisible, ce qui fait qu'à chaque fois, je peux écrire avant ce qui va se passer. Je ne me suis jamais trompé. Merci, Monsieur le Président. Et que les autres, là, les Mélenchon et tout, qui, il y a quand même, il faut le savoir, quelques années, était le chantre, Mélenchon, de la laïcité, qui a viré sa casaque et tout, je ne sais pas pourquoi, je ne vais pas vous le dire ici, même si je le sais, peut-être pour des histoires un peu graveleuses. Donc, de toute façon, tous ces gens-là, toute cette caste politico-médiatique, elle est anti-française. Hein. Ce sont des bobos qui gèrent des gogos et qui nous prennent pour des couillons. Donc, voter pour ces gens-là, c'est très bien, mais il n'y aura pas d'avenir avec eux. Allez, à bientôt.